Je m'appelle Daniel, je joue du baryton depuis très très longtemps. Et je joue à la fanfare de Forel. Je suis arrivé du monde paysan, en venant d'un monde où on a les pieds dans la terre. Et puis ça, je pense que ça aide beaucoup pour le calme qu'on a dans la fonction aussi, la tranquillité qu'on a et le bon sens, finalement. Préfet, c'est quand même un magistrat. C'est le magistrat de proximité. En salle d'audience, même les meilleurs copains musiciens, ils sont obligés de me vouvoyer. Je ne transige pas, on passe le pas de porte de la salle d'audience, c'est bonjour monsieur, même si c'est quelqu'un de très proche. Par contre, à l'extérieur, on le tutoie. La musique, c'est vraiment du plaisir. C'est du bonheur. Et j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens et partager ce bonheur. Tu peux avoir les larmes aux yeux en jouant. Et puis ça, c'est... Ouais, l'émotion, elle est vraiment là. La musique est une affaire familiale, est une affaire de famille. Moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Papa jouait de l'accordéon schwitzois, un petit peu comme ça, pour s'amuser à la maison. Puis moi, j'ai eu envie de faire partie de la fanfare. Puis j'ai commencé à 12 ans, puis après, on a été une équipe de copains. Puis après, ben, ça passe vite les années. Grâce à la musique, j'ai rencontré mon épouse. Puis fatalement, les enfants, ben, ils ont été baignés dans la musique. Et papa. En jouant ta partition, tu participes à un ensemble. Donc automatiquement, tu ne peux pas jouer un individuel, tu es obligé de jouer d'ensemble. Et puis ça, c'est aussi des moments qui sont super, quoi. Donc on distribuera aussi le plan des tâches dimanche. Et puis voilà, après on se verra mercredi. Je vous rappelle que mercredi prochain, on répète à 7h30 à la grande salle. Pour tous ceux qui peuvent, venez déjà, comme ça on finit pas trop tard, ce serait chouette. Et puis voilà. Je suis présidente de la fanfare depuis 2 ans. C'est une super expérience humaine, une expérience de vie. C'est pas toujours facile de regrouper tout le monde, de les emmener avec soi, parce qu'il y a différentes générations.
Donc c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment, j'ai énormément de plaisir et il y a énormément de respect mutuel entre les gens et c'est très très agréable d'avoir ce poste. Le fait d'être présidente puis d'avoir mon père dans la fanfare, c'est vraiment, pour moi, c'est une certaine fierté, je pense, de pouvoir aussi lui montrer que j'arrive, que je m'en sors autant que je peux en tant que présidente. Et c'est chouette de l'avoir lu auprès de moi aussi pour avoir ses conseils quand j'en ai besoin, quand je suis un petit peu perdue. Donc c'est vrai que c'est... Oui, un sentiment de fierté de pouvoir faire ça en famille et puis d'être à cette position. Mon instrument, c'est le cornet, que je joue depuis que j'ai 8 ans. Mon cornet et moi, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est mon petit moment d'évasion après mes journées. C'est le moment où je me sens bien, où je peux passer... toutes mes émotions, positives, négatives de la journée, je les passe toutes à travers mon instrument. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui me permet de garder un bon équilibre dans ma vie. La première des choses que je vais voir avant d'entrer dans l'écurie, avant d'arriver, c'est le ciel. On est né avec la météo, les paysans. Donc on a besoin de la météo, on a besoin de la nature, donc on va regarder ça. On est capable de s'émerveiller devant trois gouttes d'eau, devant le lever de soleil, un coucher de soleil, la lune. Il suffit de prendre le temps. Souvent maintenant, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de regarder, ils n'ont pas le temps de voir. Et puis, nous, on peut voir parce qu'on vit quand même, même si on vit vite, on vit au rythme de la nature. Hein? Bonjour les gamines, bonjour. Bonjour les gamines, ça va? Hein? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais. 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 Chefine, chefine, viens, viens chefine, viens. Now as the ladder of life has been strung, a chimney sweeps on the bottom or strung, but I spend my time in the ashes and smoke. In this whole world there's no happier bloke. Ooh, good luck will rub off when I shake hands with you, or blow me a kiss, and that's lucky too. Coucou. Ouais, ben viens, chefine. Viens. Salut. Tiens, vent, mon garine. Lui aussi un petit peu les bras. Quand j'étais petit, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à l'écurie avec mon père, ou sans lui d'ailleurs, parce que j'allais souvent en fait pour simplement passer du temps avec les vaches, surtout ma vache préférée qui s'appelait Gros Bébé. Voilà. Coucou. Coucou Narcisse. Pour la reprise d'exploitation, c'était en 2014, donc ça fait déjà 5 ans que je suis propriétaire du domaine. C'est tout bon, tu peux y aller. Au revoir. Ça s'est très bien passé. Bon, ben voilà, c'est fait.
transmettre à Nicolas, c'était un moment, c'est une épreuve dans la vie, de se dire, maintenant, c'est plus moi. Maintenant, c'est le fils qui est derrière. Et puis de pouvoir se dire, attends, mon gars, il faut lui laisser la place. Ah, Chéfine, Chéfine. Bonjour. Bonjour, Chéfine. Moi, j'apprécie en tout cas ce qu'il fait. Et puis, je suis vraiment heureux d'y donner encore un coup de main. C'est mon hobby. Alors, voilà, je suis préfet, mais je suis paysan de l'art. Mais ça, on ne me l'enlèvera pas, quoi qu'il arrive. J'allume mon gamin. Viens. Voilà. On a tous une vache préférée qui n'est pas la même. Nick, il a les siennes, moi j'ai les miennes. Moi, c'est presque le taureau, je dirais maintenant, c'est presque Torino. Alors que j'avais peur des taureaux, Nick a pris un taureau pour les vaches, et puis du coup, il a fallu que je m'habitue au taureau. Parce que le meilleur moyen de ne pas en avoir peur, c'est d'essayer de vaincre sa peur, et puis d'aller le caresser. Puis, c'est ce que j'ai fait. Allez, vas-y. Je peux leur dire n'importe quoi aux vaches. De toute façon, elles ne vont rien redire ailleurs. Donc, je suis tranquille. Même si je parle d'un de mes dossiers, je suis tranquille. Personne ne saura. Dis donc, juste là, j'étais à l'écurie avant, il y a le taureau qui en a sauté une. C'était qui? Écoute, je sais rien. C'était, mais c'est une grosse limousine, tu sais. Oui, alors c'était Mélange. C'est Mélange. Ah, c'est la bon, misère alors. Avec, parce qu'elle avait une spirale. Ouais, c'est bon, alors quoi. Il a pris son plaisir. Ouais, comme ça, je pourrais noter sur le calendrier. Ouais, ça va bien. Ça fera une de plus, quoi. Mm-hmm. Bon, je dois y aller parce que j'ai le cours d'ensemble au conservatoire, là, maintenant. Ouais, écoute, moi, je finirai. Ça marche. Et comme ça, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. OK. Bonne soirée. OK, merci. Ciao. Ciao. J'ai commencé directement avec le phonium. Et puis, je suis resté à la fanfare longtemps, jusqu'à il y a 3 ans et demi, maintenant. Ou après, j'ai pris un peu une autre direction musicale, on va dire. Just another day in Hollywood, just another name in life. Just a new career in Hollywood, another start to reach the heights. Once you have tasted the sweetness of fame, staying on top is the name of the game. It's just the way. Je fais le cursus complet, donc un certificat de chant en comédie musicale. Au départ, le but, c'était simplement d'apprendre à chanter bien, de travailler la voix pour la poser un peu correctement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, en fait. Je pensais vraiment faire 2-3 ans, pas plus. Et puis, c'est tellement bien que je dis, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. J'imagine pas ma vie sans musique. J'imagine pas non plus ma vie sans la nature, sans l'agriculture. Je suis obligé d'avoir les deux. Et même si certaines personnes pensent que je suis peut-être un peu fou de faire tout ce que je fais, tant pis. Pour moi, j'ai besoin de ces deux pour avoir un équilibre. S'il y en a un qui n'est pas là, je ne serai pas bien. Parce que ça va manquer.
1, 2, 3, 4. Chez nous, bah, tout le monde joue, on habite dans une maison familiale sur 3 étages. C'est beaucoup de plaisir d'être tous ensemble dans la même fanfare. C'est des petits clins d'œil qui se passent d'un registre à l'autre. Et puis, c'est, ben voilà, on vit ensemble, on s'organise ensemble. Avant le concert annuel, il n'y a pas vraiment de pression pour moi. On est prêt, on est là, c'est du plaisir, l'envie de bien faire. Mon instrument, la basse 6B, c'est le plus gros instrument des cuivres dans l'ensemble. C'est la charpente, quoi, c'est un son profond. C'est quelque chose d'assez physique de jouer cet instrument. C'est vraiment du plaisir, tu sens ces accords avec toute la société qui se mettent en place et puis quand t'arrives à ça, t'es content. Il y a le plaisir avec les copains qui sont là, on passe des bons moments. Il y a les moments où tu joues, mais il y a aussi les moments où t'arrives, tu te racontes tes tracas de la vie. Et puis il y a les bons petits moments en fin de répétition, lors des manifestations. On passe un bon moment, on rigole bien. Et puis ça, c'est... Ah, pour moi, c'est presque une deuxième famille. Claude, mais c'est normal. C'est les jaunes, mais c'est très bon aussi. Oui, c'est très parfumé. Depuis que mon père est devenu préfet, c'est moi qui vais au marché tous les mardis matin et samedi matin à Vevey. Voilà. Au départ, j'étais un petit peu mitigé par rapport au fait d'aller aussi régulièrement au marché, monter le stand. Enfin, ça ne me motivait pas plus que ça. Alors, 70 et 10, merci beaucoup. Ouais, merci. Et là, j'y ai pris goût. Et j'aime bien retrouver les clients chaque semaine. Et finalement, le plaisir de pouvoir vendre ses propres produits, expliquer aux gens comment on les a cultivés, expliquer comment les manger. Le contact avec la clientèle, j'aime beaucoup. T'as Elliot qui fait la il joue. Il joue, puis il fait la femme du couple, tu vois. Ah fait... Tu crois que ton mari il serait d'accord de faire le prince charmant pour 3 répliques et puis acter dans la scène avec une petite mise en scène? Ouais, je pense. Pourquoi t'as pensé à lui? Parce qu'il n'y a pas d'autres gars chanteurs disponible, puis je me dis, il faut que je trouve quelqu'un. Puis je me dis, ben, pourquoi pas, ça peut être marrant si ça lui dit. Je pense, ouais. Ma maman, c'est une personne qui compte énormément pour moi. Elle travaille avec moi sur l'exploitation. Elle vient au marché le samedi. Elle tient les comptes, aussi pour les paniers de légumes, pour la gestion justement des paiements. Et voilà, merci beaucoup, bon dimanche. Merci. On a quand même une relation assez... particulière et proche. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, madame. Bon dimanche, au revoir. Nos parties à nous, elles sonnent super bien. C'est très beau, très bien arrangé. Ouais.
Donc vous avez déjà vos billets? Ah mais nous on est. Ah mais oui, vous êtes sur scène. Ouais ouais ouais, c'est juste. Ça les vedettes. Hein. Ah, ouais, ouais. Enfin, voilà, il faut faire avec. Hein. Ouais. Au revoir. Allez, bon week-end. Merci, hein. Bientôt, bon week-end. Au revoir. Hein, merci. Je suis très sensible. Mais je pense que c'est bien d'avoir une sensibilité. Surtout pour le métier que je fais. Puisque autant que ce soit avec les animaux qu'avec les plantes, ça donne la possibilité d'avoir un contact plus proche de la nature. Les c'est pas le jambon, c'est le... Non, c'est le cochon. Je suis spécialiste aux mises en place de chaises. Ah. Voilà, parce que c'est toujours moi, souvent, qui suis là le premier. Et puis, ben, je mets les chaises en place. Donc, ils le disent assez. Ah, ben, Dani, il a passé, quoi. Donc, pour mettre les tables, c'est super facile. Marine m'a tout expliqué. Alors, vous mettez une serviette rouge, une serviette cariolée, répartie sur les tables. Tu fais un truc un peu de un concert annuel, c'est beaucoup de préparation. Parfait. Bon, on laissera Marine checker si elle est contente ou pas. L'objectif que moi, je me suis fixé avec la fanfare, c'est vraiment de lier autant que possible musique et amitié. Donc, pour la partie musique, de progresser. Il y a des musiciens très, très talentueux dans la fanfare, d'autres qui ont un petit peu plus de peine. Mais il faut réussir à réunir tout le monde et faire avancer la fanfare musicalement. Et puis toute la partie amitié, parce que la fanfare, c'est des amis, de la famille avant tout. Donc cette partie-là est très, très importante. Il faut trouver la juste balance entre cette partie musique et cette partie amitié. Et salut l'équipe. Comment ça se passe, ces sandwichs? Bah écoute, on aurait jamais... Mais vous avez besoin d'un petit coup de main? Cool, bah, je peux venir, ouais. Mais ouais, il y a toujours dans le morceau Frontière un passage où tu as l'impression qu'on va se planter. C'est lequel? Le boulon? Le boulon. Ouais, là, tout d'un coup, ça... Ça flotte un peu. Ça flotte, je crois que c'est l'effet voulu aussi, ah, un peu, que ça flotte. Quand tu joues quand ça, tu alors, joues ça, faut que t'imagines que t'es dans une rue mal famée de New York. Dès la première lecture, je savais que j'étais dans le bas fond. Bah, le poids. Qui gagne? Le poids vide. Quand tu joues, puis que t'as les gens à la fin du concert, ils viennent puis disent « Ah mais c'était magnifique, j'ai eu les larmes aux yeux ». Ça, c'est la récompense. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait, cette musique. C'est pour faire plaisir aux autres. Et en faisant plaisir aux autres, on se fait plaisir. Et puis ça, je trouve que c'est des moments magiques.